الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكمل في كتاب الله الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وكما ذكرنا les conditions du Sa'i qui sont au nombre de trois. Dans la première édition du livre, l'auteur en avait cité quatre. La première qui était de que le Sa'i soit fait après le Tawaf. Mais dans la seconde édition, l'auteur l'a enlevé car il s'est rendu compte vraisemblablement que c'était une erreur. Car pendant le Hajj, celui qui a fait le Sa'i avant le Tawaf, puisque son Sa'i est accepté, oui, car pour le Tawaf, mais c'est la Haraj. Donc, les trois conditions pour que le Sa'i, c'est-à-dire les années venues entre As-Safa et Al-Marwa, soient comptabilisées et valides, sont au nombre de trois. La première condition, c'est qu'il doit y avoir sept années venues, en commençant par As-Safa et en terminant par Al-Marwa, sachant qu'il faut comptabiliser l'aller et le retour comme deux et non pas comme un. La deuxième condition, c'est que le Sa'i doit commencer de As-Safa et doit obligatoirement terminer par Al-Marwa. Et la troisième condition, c'est que le Sa'i doit se faire dans l'espace ou dans l'endroit approprié, et l'endroit mis à disposition pour, c'est-à-dire Al-Mas'a, c'est-à-dire c'est la route ou le chemin qui sépare As-Safa de Al-Marwa. Car le prophète a dit « Khudu anni manasikakum » Et les savants ont autorisé de faire le sa'i au rez-de-chaussée comme au premier ou comme au niveau de la terrasse. Et on avait vu la semaine dernière que Al-Mas'a, c'est-à-dire la route qui est entre As-Safa et Marwa, n'est pas considérée comme la mosquée. Il n'est pas considéré comme la mosquée et qu'il est autorisé à la femme qui a ses menstrues d'accomplir ce rite. Ensuite, on a entamé le chapitre des interdictions, des actes que le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, ne doit pas faire et doit s'abstenir lorsqu'il est dans cet état de sacralisation. La première des interdictions, c'est le fait de porter ce que certains savants appellent les basu al-mahid, les basu al-mahid. On avait dit que le premier à avoir utilisé ce terme, le mahid, c'était Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai, qui est un des élèves d'Abdullah ibn Abbas, qui fait partie des grands savants des Tabi'in, parmi les Tabi'in. Et ce que les savants veulent dire par al-Mahid, c'est-à-dire, est-ce que c'est tout vêtement qui est cousu? C'est un tout vêtement qui épouse la forme du corps ou la forme des membres du corps, ou la forme des membres du corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que le mieux était d'utiliser
le terme que le prophète sallam a lui-même utilisé, et que lorsque l'on parle des vêtements qu'il est interdit au mouhrim de porter, le mieux est de dénumérer ces vêtements comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le fait de dire libas al-makhir, cela porte à confusion et les gens pensent souvent que ce qui est interdit c'est tout vêtement qui comporte des coutures ou de la couture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit lorsque un homme lui a demandé qu'est-ce que le muhrim a le droit de porter comme vêtement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne porte pas al-khumus, qui est le pluriel de qamis, qui est le thawb connu, qui est la tunique de l'homme, ou al-ama'im, qui est le pluriel de imama, qui signifie le turban, ou al-sarawilat, qui est le pluriel de sarawil, qui est pantalon, ou al-baranit, qui est le jam' de burnous, qui est une tunique, la tunique de l'homme, sauf que sa particularité, c'est que la capuche y est attachée. La capuche fait partie du vêtement. Voilà le khifaf, qui est le germe de khouf, qui sont les chaussons. Donc ici, le prophète Mahathir m'a interdit de porter le khamis, et tout ce qui, les savants ont dit, et tout ce qui a le jugement du khamis, tout ce qui ressemble au khamis, que ce soit des t-shirts, que ce soit des chemises, etc., des manteaux, etc. Des pulls, tout ce qui ressemble à un khamis. De même, pour l'ama'im, le savant, on dit que c'est tout le vêtement que l'homme porte pour couvrir sa tête. Tous les vêtements que l'homme porte pour couvrir sa tête. Voilà le sarawilat, de même pour les pantalons, tout ce qui ressemble à un pantalon, qu'il soit court ou long. Entre dans cela, les shorts, les caleçons, les slips, etc. Voilà le baranit. Et de même pour les vêtements, le bonus, qui est une capuche accrochée ou faisant partie intégrale de ce vêtement. Voilà le khifaf, de même pour les chaussons, et entre dans l'interdiction également, chaussettes, chaussures, bottes, etc. Et le prophète par exemple a continué le hadith en disant « Illa ahadun la yajiduna alayni falyalbas khuffayn falyalbas khuffayn waliqta'huma asfala min al-ka'bayn » Et le prophète par exemple dit « Sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte des khuffayn, des chaussons, et qu'il les découpe au niveau des chevilles. » Au niveau des chevilles, voilà, et de ne pas porter des vêtements qui ont été touchés par du safran ou du waras, qui sont deux types de parfums. Et on avait vu que dans ce hadith, il y a l'autorisation pour l'homme de porter des sandales, car le prophète Fatim dit sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales. Donc celui qui trouve des sandales, il a le droit de les porter. Et on avait vu que le fait de couper les khuffayn, ce hadith a été abrogé par un autre hadith du prophète par Sallam, qui l'a dit le jour de Arafat. Quant à ce hadith que l'on vient de citer, le prophète par Sallam l'a dit lorsqu'il était à Médine. Et à Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussons, et celui qui ne trouve pas de l'islam, qu'il porte alors des pantalons. » Sans pour autant donner de détails s'il fallait couper ou non les chaussons. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de couper les chaussons. Les savants ont déduit que ce hadith abrogeait le premier. Ensuite, la deuxième interdiction, c'est le fait de se couvrir le visage et les mains pour la femme. Donc, le fait de se couvrir le visage et les mains pour la femme. Donc, les interdictions que l'on a citées, le qamis, l'amaim, l'khufayn, l'assarawilat, l'bournout, etc., ceci est une interdiction qui est propre aux hommes et ne concerne en aucun cas les femmes. Quant aux femmes, il y a une chose qui leur est interdite, c'est de, comme le dit l'auteur, et on a vu que le plus précis était de dire qu'il était interdit à la femme de se couvrir le visage à l'aide d'un niqab et de se couvrir les mains à l'aide de gants. Et il a interdit à la femme qui est en train de sexualisation de porter le niqab ou de porter des gants.
Mais est-ce qu'il lui est autorisé de couvrir son visage et de couvrir ses mains par autre que les niqab et par autre que les gants? Oui, cela est autorisé et c'est l'avis de la plupart des savants. La troisième interdiction, c'est pour l'homme de se couvrir la tête avec une imama ou tout ce qui est similaire, ce qui y est similaire. Et cela est début du hadith du prophète sallam, wala al-ama'im. Voilà al-ama'im. Et il est autorisé, les savants disent qu'il est autorisé à un homme de se couvrir la tête avec quelque chose qui est posé sur sa tête. Avec quelque chose qu'il pose sur sa tête. Mais lorsqu'il se protège du soleil à l'aide d'un vêtement ou d'un parasol ou d'une tente lorsqu'il est à l'intérieur de la tente, cela est autorisé à partir du moment où cette chose est au-dessus de sa tête et non collée à celle-ci. La quatrième interdiction, c'est at-tayyib, c'est le parfum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements qui ont été touchés par du safran ou du waras, qui est, comme on l'a dit, une plante qui pousse au Yémen et qui a la particularité de donner un parfum agréable. Et la preuve également qu'il est interdit de se parfumer, c'est l'ordre que le prophète Parfum a donné à ses compagnons lorsque ce compagnon, la Fenella, j'ai fait une erreur sur ça à deux points concernant Al-Muhrim, c'est-à-dire qu'il est tombé de sa chamelle. Et moi, la semaine dernière, j'avais dit qu'il s'était fait piétiner. Non. Il est tombé de sa chamelle. Al-Waqt, c'est le fait de tomber de sa chamelle et d'en mourir. Car cet homme, ce compagnon du prophète, est tombé de sa chamelle et sa nuque s'est brisée. Donc il est mort sur le coup. Donc l'erreur que j'ai faite la semaine dernière, ce n'est pas, il ne s'est pas fait piétiner par sa chamelle, mais est tombé de celle-ci. De même, la seconde erreur que j'avais faite concernant Al-Muhrim, il doit être lavé lorsqu'il décède. Contrairement à ce que je disais la semaine dernière, j'ai confondu avec Al-Shahid, avec le martyr qui, lui, ne doit être ni lavé et on ne doit pas lui mettre de linceul. On ne doit pas lui mettre de linceul. Quant au Muhrim, celui qui est en état de sacralisation, lorsqu'il meurt, on doit le laver, on doit lui mettre son linceul, mais il y a deux choses que l'on ne doit pas faire. La première, c'est de le parfumer, et la seconde, c'est de lui couvrir la tête. Et dans d'autres hadiths, voilà pour Rasto Wajnavo, dans d'autres versions, et ne cachez pas également, ne recouvrez pas son visage. Il y a deux versions de ce hadith. Certains savants considèrent que la seule chose qui est interdite pour le Muhrim qui est décédé, c'est de couvrir sa tête. Et d'autres savants ont dit non, l'autre version vient préciser et donner un plus d'informations en disant qu'il ne fallait à la fois, qu'il ne fallait pas à la fois lui couvrir la tête, mais aussi ne pas lui couvrir le visage. Et le prophète sallam a dit à ses compagnons, la tuhannifuhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Ne le parfumez pas, ne lui mettez pas du hanout qui est un mélange de divers parfums, voilà le khamim au ra'sah, et ne couvrez pas son visage, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant at-talbiyah. Et on avait parlé du jugement du savon qui était parfumé. Certains savants interdisent son utilisation pour le muhrim, et d'autres savants l'autorisent à condition que ce savon soit utilisé pour se nettoyer uniquement et non pas pour se parfumer. La cinquième et sixième chose interdite à faire pour le muhrim, celui qui est en état d'ihram, de sacralisation, c'est de se couper les ongles et d'enlever les poils de son corps, que ce soit en les rasant ou en les coupant. Et on avait cité les preuves de cela, et que concernant le fait de se couper les ongles, la preuve était l'unanimité des savants. La preuve sur le fait qu'il est interdit de se couper les ongles pour le muhrim et la preuve, c'est l'unanimité des savants sur cela. Et quant à celui qui se coupe les cheveux ou se rase la tête parce qu'il doit le faire, car il en a
la nécessité, car il a une maladie dans le cuir chevelu ou autre, est-ce qu'il lui est autorisé de le faire? Oui. Et qu'est-ce qu'il doit faire en compensation? ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Il doit soit jeûner, soit donner en aumône, ou soit égorger ou sacrifier une bête. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a donné ces trois choix de façon générale et globale, sans donner les détails de combien devons-nous jeûner, ou combien la personne qui s'est rasée la tête par cause de maladie ou autre, justifiée bien sûr. Allah Azza wa Jalla n'a pas donné les détails du nombre de jours qu'il doit jeûner, ni de la quantité qu'il doit donner en aumône, ni de la bête qu'il doit égorger. Tous ces détails sont cités dans le hadith de Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu, qui avait des poux dans ses cheveux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que cela te porte atteinte, est-ce que cela te dérange? Il a dit oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné de raser sa tête et de donner et de nourrir six pauvres en utilisant combien de sa'a? Trois sa'a. De prendre trois sa'a, trois rasou'a, et de les distribuer à six pauvres. Donc de donner la moitié d'un sa'a pour chaque pauvre. Ou bien de jeûner trois jours, ou bien d'égorger ou de sacrifier une bête. Taïb. On avait continué la semaine dernière, mais vu qu'on avait eu un problème d'enregistrement, on s'est arrêté, et l'enregistrement s'est arrêté au septième point, septième chose qui était interdite pour le muhrim, qui est al-jima'u wa dawa'i, d'avoir des rapports intimes avec son épouse, et également d'éviter tout ce qui précède ces rapports intimes, c'est-à-dire les préliminaires qui comportent les attouchements, le fait d'embrasser et également de dire des paroles à son épouse qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un rapport intime. Donc tout cela est interdit en état du haram. Lorsque la personne est en état du haram, il n'a pas le droit de dire des paroles intimes à sa femme, de même qu'il n'a pas le droit de faire des attouchements et également d'avoir des rapports intimes avec elle. Thaminan iqtiraf al-ma'asi. La huitième chose qui est interdite, c'est de faire des péchés. De faire des péchés est interdit de façon générale, mais l'interdiction est plus prononcée lorsque la personne est en état de sacralisation. Tafi'an al-mukhaqamat wal-jidal. Neuvièmement, la dispute et la polémique. La dispute et la polémique. Et ces septième point, huitième et neuvième point sont cités dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit, comme le dit l'auteur, وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الثَّلَاثِ, et la base ou la source de l'interdiction de ces trois, c'est-à-dire du septième point, huitième et neuvième, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. La source de cette interdiction est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit: le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Celui qui doit accomplir son pèlerinage durant ces mois-ci, alors point de rafath. Et à rafath, les savants ont dit que c'est al-jima' wa dawa'i, que c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse et tout ce qui précède ceci. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ, et point de perversion. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu a expliqué ce verset en disant, a expliqué ce terme dans ce verset en disant أي المعاصي, أي المعاصي, c'est-à-dire ce sont les désobéissances, les péchés et les mauvaises actions. وَلَا جِدَالِ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالِ, et point de polémique. Et les savants, ou Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ainsi qu'Abdullah ibn Umar
رضي الله عنهما ont expliqué un jidal ici, c'est-à-dire le fait de polémiquer avec une personne, une polémique qui a pour conséquence que l'une des deux personnes s'énerve. Et le fait de polémiquer, de débattre sur un sujet est autorisé en état de sacralisation, sauf si ce débat amène à ce que l'un des deux débatteurs ou l'un des deux interlocuteurs s'énerve et n'apprécie pas les propos de l'autre. Dans ce cas, il faut s'abstenir de ce genre de débat et d'échange. Voilà jidal fil hajj. Il n'y a point de rafet, point de fousour et point de jidal pendant le pèlerinage. عاشراً وإحدى عشر la dixième et onzième chose interdite pour celui qui est en état de sacralisation هي خطبة وعقد النكاح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. Donc la dixième et onzième chose interdite pour celui qui est en état de sacralisation, c'est de demander en mariage et de conclure un acte de mariage. La preuve est le hadith de Uthman radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de marier, n'a pas le droit de se marier, n'a pas le droit de marier, c'est-à-dire autre que lui, et n'a pas le droit de demander en mariage. Et on avait vu que la vie de la plupart des savants est que celui qui est en état de haram, en état de sacralisation, et qui se marie ou marie autrui, son mariage est nul et n'est pas valide. Et on avait cité, il y a trois points que l'on peut citer. Lorsque celui qui est en état de sacralisation se marie avec une femme qui, elle, n'est pas en état de sacralisation. Si l'homme est en état de sacralisation, mais sa future épouse ainsi que le tuteur de celle-ci ne sont pas en état de sacralisation. Si l'acte de mariage est conclu, il n'est pas valide dans l'islam, car le demandeur, ainsi le futur époux, est en état d'ihram. Pareil pour l'inverse. Lorsque la femme est en état d'ihram et que l'homme, lui, ne l'est pas. De même que le tuteur de la femme ne l'est pas, si le mariage est conclu, il n'est pas valide. Et il y a aussi un troisième cas, lorsque les futurs époux, l'homme et la femme, ne sont pas en état de sacralisation, mais que seul le tuteur l'est. Est-ce que le mariage est valide ou pas? Non, car le prophète Paratam a dit « La yankih wa la yunkah »« La yankih wa la yunkah » La yankih, c'est-à-dire qu'il n'épouse pas, c'est-à-dire lui-même. Qui n'épouse pas une femme. Voilà yunkah, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le marier. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, voilà tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu. Et ne mariez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'ils croient. Et les savants ont déduit de ce verset, quand Allah Azza wa Jalla a dit, voilà tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, dans le tunkihu, il y a la preuve que le wali fait partie des conditions du mariage. Allah Azza wa Jalla a dit ne mariez pas al-mushrikin, ne le mariez pas, car le mariage ne doit pas se faire sans l'accord du tuteur. D'accord? Wala yunkah wala yakhtub, de même qu'il ne doit pas demander en mariage. Il est interdit de demander en mariage. Et on avait dit que les savants considèrent également que celui qui fait ce genre d'acte de mariage en état de haram, si lui est en état de haram ou le tuteur, eh bien, même si cela a été fait par ignorance ou par erreur, eh bien, ou par oubli, eh bien, le mariage doit être refait. Le mariage doit être refait. On avait cité l'ambiguïté qui pourrait être comprise comme une ambiguïté par certains, qui est le fait que le prophète, dans un hadith authentique,
hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, à quoi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Maïmouna en état d'Ihram. Il y a un autre hadith beaucoup plus authentique rapporté lui par Al-Bukhari et Muslim sur Maïmouna qui elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec elle lorsqu'il était halal. تزوج للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. Et de même que le rapporteur, يعني l'intermédiaire qui était entre le prophète صلى الله عليه وسلم et Maïmouna رضي الله عنها, lui aussi rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم se marie avec Maïmouna en étant halal. Donc les savants disent, ou certains savants disent que le premier hadith est shad, c'est-à-dire qu'il contredit un hadith qui est plus authentique que lui. C'est-à-dire qu'il contredit un hadith qui est plus authentique que lui et il n'y a pas possibilité de les rassembler. Car la règle dans la science du hadith, c'est que quand deux hadiths, quand il apparaît que deux hadiths s'opposent ou se contredisent, car il faut bien insister sur le terme apparaître, quand deux hadiths semblent se contredire, car les hadiths du prophète par sallam ne peuvent pas se contredire. Car les hadiths du prophète par sallam ne peuvent en aucun cas se contredire, car toutes les paroles du prophète par sallam sont révélations. Donc, il n'y a jamais de contradiction entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il semble y avoir une contradiction que nous ne comprenons pas, eh bien, il y a des règles à suivre. La première, c'est de trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. De trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. Et si il n'y a pas de terrain d'entente possible, alors on passe au tarjih, c'est-à-dire qu'on regarde lequel des deux hadiths est le plus authentique. Car c'est peut-être une erreur ou l'erreur d'un rapporteur du hadith. Donc dans ce cas, on regarde ce qui est connu dans l'ensemble des autres hadiths, ce qui a été rapporté, qui viendrait soutenir un hadith plus que l'autre. Et là, c'est ce que nous appelons un bel at-tarjih. C'est-à-dire que ce hadith est plus authentique et c'est ce qui est connu dans la plupart des hadiths, sauf dans ce hadith qui vient dire le contraire. Dans ce cas, ce hadith, les savants le considèrent comme shadh, car il contredit des hadiths qui sont beaucoup plus authentiques et en plus grande quantité que lui. Et il y a la troisième chose, ou le troisième moyen de rassemblement, c'est l'abrogation. Le fait qu'un hadith abroge un autre. Mais pour utiliser l'abrogation, il faut connaître à quel moment les deux hadiths ont eu lieu ou ont été dit. S'il y a un moyen qui permet d'identifier à quel moment un hadith a été dit, et qu'on peut définir de façon claire et évidente que ce hadith a été dit après, ou que celui-ci a été dit avant, là on peut dire que celui qui a été dit après abroge celui qui a été dit avant. Comme dans l'exemple du fait de couper les chaussons pour celui qui en est à l'Ihram et qui ne trouve pas de sandales. Le prophète Hassan a dit le premier à Médine, car l'homme qui l'avait questionné à Médine avant que le prophète Hassan ne commence son pèlerinage. Et le second a été dit à Arafat. Le prophète l'a dit à Arafat. Donc les deux hadiths, le temps est bien connu. On connaît exactement à quel moment les deux hadiths ont été dits. Et de cela, on peut en déduire que le second abroge le premier. Sami Ashar, التعرض للصيد البر لقتل أو ذبح أو إشارة أو دلالة أو دلالة لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون فقال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم. La deuxième chose qui est interdite, la douzième chose qui est interdite pour celui qui est en état de sacralisation, c'est le fait d'attaquer un gibier, les failles d'Elbar. On avait dit que Elbar c'était le contraire de Al-Bahar.
les gibiers de terre, mais ils englobent également les oiseaux et ceux qui volent, soit du gibier à quatre pattes ou ceux qui volent, ou ceux qui ont des ailes, à partir du moment qu'il ne fait pas partie des animaux de la mer. Il est interdit de les tuer, ou bien de les égorger, ou bien de les montrer, ou bien de donner des informations afin de les chasser. Donc il est interdit de les tuer, quel que soit le moyen qui est utilisé pour les tuer. Il est interdit de les montrer, c'est-à-dire de les montrer à quelqu'un qui n'est pas en état de sacralisation. Celui qui est en état de sacralisation, qui est accompagné d'une autre personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation et donc qui a le droit de chasser, il n'a pas le droit de lui montrer, de dire attention, il y a telle bête, regarde, il y a telle bête à tel endroit. Aoudilala, ou de même de lui donner des informations qui aideraient ce chasseur à capturer sa proie, en lui donnant par exemple des astuces ou des endroits propices où il pourrait chasser à coup sûr. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » et il vous est interdit la chasse des gibiers terrestres tant que vous êtes en état de sacralisation. Et concernant Asfaï, les savants ont dit que l'animal que l'on n'a pas le droit de chasser en état de haram, c'est un animal qui est halal. Un animal qui est halal à la consommation. Comme disent les savants, il doit être halal et il doit faire partie des animaux de terre et non des animaux de mer, et il doit être sauvage. Il doit être sauvage. Quand on parle d'animaux qui ne sont autorisés à la consommation, sort de cela les animaux qui ne sont interdits à la consommation. Donc est-ce que tu as le droit de tuer des animaux qui te sont interdits à la consommation lorsque tu es, ou de chasser des animaux qui te sont interdits à la consommation lorsque tu en as des haram? Oui ou non? De tuer des animaux qui sont interdits à la consommation. L'interdiction de la chasse englobe-t-elle tous les animaux ou seulement ceux qui ne sont autorisés à la consommation? Tous ceux qui sont halal. Tous ceux qui sont halal. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khamsun min al-dawa bi kulluhunna fawasiq » On avait dit ce hadith, cinq animaux font partie des fawasiq. Des fawasiq. Fawasiq, les savants ont expliqué ce terme en disant que fawasiq, au terme littéral, c'est ce qui sort. Ce qui sort. D'où le terme fasir, le pervers, car il sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cinq animaux sont considérés comme des fawajit, car ils sortent du jugement des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuqtalna fil hilli wal haram. Ils peuvent être tués dans les endroits halal et les endroits haram. Dans les endroits sacrés et non sacrés. Les endroits sacrés qui sont nombreux. Combien d'endroits sacrés sont dans le monde? Deux ou trois. Al-Haramain, la Mecque et Médine, et Al-Quds. Al-Quds fait partie du haram? Non. Al-Quds ne fait pas partie du haram. Al-Quds ne fait pas partie du haram car il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, que Jérusalem fait partie d'une terre sacrée. Car une terre, lorsqu'elle est sacrée, il y a des jugements qui sont attribués, qui sont propres à cette terre. Est-ce qu'il est autorisé de chasser à Jérusalem? Oui.
car ce n'est pas une terre haram. Et Mecca, c'est une terre sacrée dans le Coran et dans les sunnahs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. Et Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inni haram sul Medina, kama haram Ibrahim Mecca ». J'ai rendu sacré Médine, comme Ibrahim alayhi sallam a rendu sacré la Mecque. Donc, la Mecque et Médine sont les deux endroits sacrés sur terre, il n'y en a pas de troisième. Il n'y en a pas de troisième. Quant à la mosquée de Jérusalem, c'est une mosquée qui est importante et c'est l'une des trois mosquées envers lesquelles il est autorisé aux musulmans de voyager vers elle pour aller y prier. Il n'est pas autorisé de voyager vers une mosquée sauf trois: la mosquée de la Mecque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Jérusalem, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a talati matajid. Ne prenez le voyage que vers trois mosquées: al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Hada, al-Masjid al-Aqsa. La mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée ici et la mosquée de Jérusalem. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cinq animaux faisant partie des fawatir, c'est-à-dire dont le jugement sort, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de l'ensemble des autres animaux concernant le fait de les tuer durant dans une terre sacrée. Al-Ghurab qui est le corbeau, ou Al-Had'a qui est, on avait déjà vu ça, la famille. Non, Al-Had'a c'est une sorte d'aigle. Si on traduit littéralement, c'est le milan. Le milan qui est une sorte d'oiseau chasseur qui ressemble beaucoup à l'aigle. Ou Al-Aqrab, le scorpion. Ou Al-Fa'ara, le rat ou la souris. Ou Al-Kalbu Al-Aqour. Al-Kalbu Al-Aqour, ce sont tous les bêtes féroces. Ce sont toutes les bêtes féroces, comme l'ours, comme les panthères, comme les lions, comme les tigres. Et les savants montrent aussi dans le cas de l'aqour, le serpent. Donc ces animaux-là, il est autorisé de les tuer, qu'ils soient présents dans une terre sacrée ou non, et que la personne soit en état de sacralisation ou non. Car ici l'auteur parle des interdictions pour celui qui est en état d'ihram. Donc celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser. Mais on verra aussi qu'il est interdit de chasser dans la terre sacrée, que la personne soit en état de sacralisation ou non. Ouais. Parce que la règle, tous les animaux que j'ai cités sont interdits à la consommation, car la règle c'est que tout animal qui nous est interdit de tuer, on n'a pas le droit de le consommer. C'est une règle. Donc les animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer, on n'a pas le droit de les consommer. Et ici, les savants ont déduit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de tuer ces cinq animaux. Or, on a vu la règle que les savants ont instaurée, c'est qu'il est interdit de chasser les animaux qui nous sont halal, qui nous sont autorisés à la consommation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne, ou il dit qu'il est autorisé de tuer ces cinq animaux. Si il nous est autorisé de les tuer, c'est qu'elles nous sont interdites à la consommation. Car la règle, c'est qu'il est interdit de tuer un animal, de chasser à poil un animal qui nous est autorisé à la consommation. Et un animal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de tuer en état d'ihram, cela signifie que cet animal est autorisé à la consommation. C'est clair ? ولقوله صلى الله عليه وسلم
لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة إلى قتادة également qu'il est interdit de montrer, donc ici dans ce verset, Allah Azzawajal nous interdit de chasser, et lui de continuer la règle, donc il est interdit de chasser pour le muhrim un animal qui est autorisé à la consommation, qui est fait partie des animaux de terre et qui est sauvage, Pourquoi ? Car lorsque l'on parle d'animaux domestiques, est-ce qu'on parle de chasse ? Est-ce qu'il y a une poule ? Est-ce que le muhrim a le droit d'égorger une poule ? Oui ? Pourquoi ? Car elle n'est pas sauvage. Même un mouton. Et bien à partir du moment où la bête n'est pas sauvage et que c'est une bête domestique, eh bien il est autorisé de la tuer, car lorsque l'on parle de chasse, on parle d'animaux sauvages. Lorsque l'on parle de chasse, on parle d'animaux sauvages. Et donc, concernant l'interdiction de montrer du doigt ou de désigner une bête à une personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation, la preuve de cette interdiction, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque, c'est la parole du prophète par Al-Sallam, lorsque des compagnons lui ont questionné sur l'aneth. Al-Atan qui est la femelle de l'âne, la lettre, qu'a chassé Abu Qatada, radiallahu anhu, lorsqu'il n'était pas en état de sacralisation, il était halal. Et il a chassé ici une ânette sauvage. Il a chassé une ânette sauvage car ce qui est interdit de consommer au niveau des ânes, ce sont les ânes domestiques. Nahar al-Khumbori, Al-Ahliya, le professeur Hassan a interdit de manger les ânes domestiques. Quant aux ânes sauvages, il est autorisé de les consommer. Et donc, Abu Qatada radiallahu anhu a chassé une ânette et il était en compagnie d'autres compagnons radiallahu anhum qui eux étaient en état de sacralisation. Et ils ont questionné le professeur Hassan lorsque Abu Qatada radiallahu anhu leur a proposé de cette viande. Et ils se sont abstenus de la consommer jusqu'à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur ceci, il a répondu: est-ce que l'un d'entre vous a ordonné à Abu Qatada de l'attaquer ou a montré cette ânette à Abu Qatada? Ils ont dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit alors: fakulu, mangez donc. Mangez, car parmi vous, aucun n'a demandé à Abu Qatada de chasser et aucun n'a fait un signe vers celle-ci. 13. الأكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو بإعانته عليه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. دمام. Troisième chose qui est interdite, c'est de manger une bête qui a été chassée pour toi, ou que tu as montré, ou dans laquelle tu as participé et apporté ton aide. Et ceci est déduit de la parole du prophète par la sallam. Est-ce que l'un d'entre vous lui a demandé ou lui a ordonné de l'attaquer ou a fait un signe vers elle? Ils ont dit non. Le prophète par la sallam leur a dit mangez. Et il y a un autre hadith beaucoup plus explicite qui montre l'interdiction de manger la viande qui a été chassé par une personne qui n'est pas en état de sacralisation, mais pour une personne qui est en état de sacralisation. Et il y a un hadith authentique à ce sujet. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la route entre Médine et la Mecque, s'est arrêté chez un de ses compagnons radiallahu anhu, et il était connu pour être un grand chasseur. Et il a chassé une ânette ou un âne sauvage au prophète, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a proposé la viande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il s'est excusé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant le visage de ce compagnon changer et étant mécontent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui nous a empêché ou ce qui nous interdit de consommer cette viande, c'est que nous sommes en état de sacralisation. Et ce compagnon va devoir à nouveau, pourquoi a-t-il chassé?
car il avait comme invité le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui était en état d'ihram. Et s'il n'y avait pas le prophète, il n'aurait pas chassé cet animal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant cela, que ce compagnon a chassé pour lui, eh bien il s'est abstenu de consommer cette viande. Et savoir, on déduit donc qu'il est interdit de consommer, il est interdit à celui qui est en état de sacralisation de consommer une viande qui a été chassée par une personne qui n'étant pas en état de sacralisation, mais qui l'a fait pour cette personne qui est muhallal. C'est clair ? Et il y a plusieurs cas qui peuvent apparaître dans le fait de chasser. Le fait de manger une bête qui a été chassée par une personne en état d'ihram, en état de sacralisation, il est interdit, il lui est interdit de la consommer, de même qu'il est interdit à autre que lui de la consommer. Lorsqu'une bête est chassée par une personne qui est en état d'ihram, il lui est interdit à lui et à autre que lui de consommer cette viande. Et lorsque la bête est chassée par une personne qui n'est pas en état de sacralisation et qui n'a pas chassé pour un muhrim, alors il est autorisé au chasseur et à toute autre personne, même si elle est en état de sacralisation, de consommer cette viande. C'est clair ? Et lorsque une personne qui n'est pas en état de sacralisation chasse pour une personne qui est au chasse, étant aidée par une personne qui, elle, est en état de sacralisation. Cette viande est interdite pour le chasseur et pour celui qui l'a aidé ou celui qui lui a montré la bête. Si cette personne est accompagnée d'autres personnes en état de sacralisation, les autres ont-elles le droit de consommer ? Oui, car c'est une viande qui a été chassée par une personne n'étant pas en état de sacralisation, mais qui a été aidée par une seule personne et non pas par les autres. Donc ceux qui n'ont pas aidé ont le droit de consommer cette viande, ceux qui n'ont pas le droit, c'est le chasseur et celui qui l'a aidé. Et lorsque une bête est chassée par deux personnes, une étant en état d'ihram et l'autre n'étant pas en état d'ihram, mais nous avons dit que cette viande est interdite pour eux et pour autre que. C'est interdite pour eux et pour autre que. Pourquoi ? Car à participer à la chasse, elle a tué, la bête a été chassée par deux personnes. Ce n'est pas une aide ou une information qui a été donnée, mais la bête a été chassée par deux personnes qui ont porté ou qui ont touché avec leur arme cet animal. Si l'une n'est pas en état de sacralisation et l'autre l'est, il n'est pas autorisé de consommer cette viande pour les deux et pour tous les autres. C'est clair ou pas ? Vous طيب مبتدأ الحج نصيحة الثالثة دو شابيتر دي شوز كي أنيل لو بيليناج دي زاكت كي أنيل كاريمون لو بيليناج مبتدأ الحج يبطل الحج بواحد من اثنين لو بيليناج يتانيلي لوكسكو l'une ou l'un des deux actes est fait. Le premier, al-awwal, na'am. Ouais, na'am. Na'am, ça. Et ici, il y a une étoile qui dit que c'est que cela est tiré du livre de l'Ibrahim Chakra. Donc on avait déjà parlé de l'Ibrahim Chakra, na'am. On avait déjà parlé de lui.
et que c'était une personne qui, après la mort de Cheikh Al-Albani, a changé, a changé de position et s'est égaré quand notre intérieur nous en préserve et le guide. Et dans le chapitre du mariage, il y avait. C'est dans le chapitre du mariage, non? Du Hajj. Dans le chapitre du Hajj, il y avait une partie que l'on avait sur les différentes sortes de nusuk, sur les différentes sortes de rites. On avait sauté ce chapitre, car c'était une personne que les savants ont mis en garde. Mais concernant le Tiyat al-Hajj et aussi par la suite, d'autres chapitres que l'auteur a cités, on ne peut pas en vouloir à l'auteur car le livre Al-Wajiz a été fait il y a très longtemps. A été fait très longtemps du temps de la vie du vivant de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et ceci, on l'a vu lorsqu'il cite Cheikh Al-Albani, il ne dit pas rahimahullah, mais il dit. Mais rien n'interdit de prendre ce qu'il dit, lorsque cela est vérifié bien sûr, le mieux étant de prendre d'autres paroles, mais cela n'interdit pas lorsque l'on montre l'égarement de la personne, et lorsque l'on met en garde contre elle, et lorsque les propos qui sont utilisés sont des propos véridiques et vérifiés. Donc ici, dans ce cas-là, ce sont des... C'est une partie du livre qu'on ne peut pas sauter. C'est une partie du livre qu'on ne peut pas sauter qui est importante et qu'on va utiliser, Inch'Allah, tout en mettant en garde contre cette personne Kabarelli. Donc la première chose qui annule le pèlerinage, Al-Awwal al-Jima', إذا كان قبل رمي جمرة العقبة. أما إذا كان بعد رمية جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فلا يبطل حجه وإن أتم. وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح لهذا. Donc le premier acte qui annule le pèlerinage, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Lorsque ceci est fait avant d'avoir d'activé la grande selle. Quel jour? يوم العاشر يوم النحر le jour de l'Aïd. Parmi les rites du jour de l'Aïd, il y a le fait de lapider la grande selle, Ramyu Jamrat al-Aqaba. Celui qui a des rapports avec son épouse avant Ramyu Jamrat al-Aqaba, avant d'avoir lapidé la grande selle, certains savants disent que son pèlerinage est nul. Certains savants disent que son pèlerinage est nul. Pourquoi? Car après Jamrat al-Aqaba, on avait dit que la personne passe de quel état à quel état? C'est le premier tahlil. Al-tahallulu al-asghar. C'est le premier tahlil, c'est-à-dire que la personne passe d'un état de sacralisation à un état moindre, mais reste toujours, est toujours considéré comme muhrim. Sauf qu'il lui est autorisé toute chose hormis le jima', mais sauf qu'il lui est autorisé toute chose hormis le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Pour cela que l'auteur a divisé, a séparé avant le rami et après le rami. Avant le rami, beaucoup de savants, ou certains savants considèrent que le jima', le fait d'avoir des rapports intimes annule le pèlerinage. Et c'est l'avis de Abdullah ibn Umar, de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Et les savants de notre époque disent qu'il vaut mieux considérer que le pèlerinage est nul pour prendre ses précautions. Et par exemple, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit que le pèlerinage est nul, mais ne l'affirme pas à 100%. Il vaut mieux dire qu'il est nul par précaution. Par précaution. Et Cheikh Rahimallah ne disait pas qu'il était nul formellement. Il n'attestait pas, car c'est un lourd jugement de prononcer l'annulation
d'un rite, d'une adoration aussi importante que le Hajj, qui fait partie des cinq piliers de l'islam. Car si tu considères que cet acte est nul, c'est que tu demandes à la personne de revenir l'année suivante. Et les savants qui considèrent que cela est nul, il y a parmi les Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et ils disent qu'il y a cinq choses qui incombent à la personne qui a eu des rapports intimes avant l'habitation de la grande stèle, le jour de l'Aïd. La première chose, c'est qu'il a fait un péché. La seconde, c'est que son adoration ou son rite est nul. La troisième chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit continuer. Il doit continuer son rite, il ne doit pas l'arrêter. Car Allah Azza wa Jalla dit « Wa atimmu al-hajja wa al-umrata illa » et accomplissez, terminez le hajj et la umra pour Allah. La quatrième chose, c'est qu'il doit, rattraper. Il doit refaire son pèlerinage l'année suivante, s'il en a la possibilité. Et cinquièmement, il doit faire une filière. Il doit faire une filière que l'on verra inch'Allah par la suite. Il a une compensation à donner. Donc certains savants considèrent que d'avoir des rapports avant la lapidation de la grande stèle, le dixième jour de Dhul-Hijja, annule le pèlerinage. Et lorsqu'il est fait, lorsque le rapport intime a eu lieu après avoir lapidé la grande stèle, le jour de l'Aïd, et avant Tawaf al-Ifarba, فلا يبطل حجه وإن أتم. Pourquoi? Car après Tawaf al-Ifarda, la personne devient. Elle n'est plus en Tadihara. Après le Tawaf al-Ifarda, la personne passe du Tahallul Asghar au Tahallul Al-Akbar. D'accord? Et s'il l'a fait avant la lapidation de la grande stèle, après à la fois la lapidation de la grande stèle et avant le tawaf de Tifarda qui lui aussi fait le dixième jour, eh bien son pèlerinage n'est pas annulé, mais il a commis un péché. Et certains savants considèrent que le pèlerinage n'est pas annulé, car il n'y a pas de preuve. Car il n'y a pas de preuve bien claire à ce sujet. Il n'y a pas de preuve bien claire à ce sujet, c'est vrai. Il n'y a pas de preuve bien claire, si ce n'est la parole d'Abdullah ibn Umar et d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Mais quant à hadith du prophète sallam qui atteste de façon claire et évidente que celui qui a des rapports avec son épouse avant le Ramadan Jumat al-Aqaba, que son pèlerinage est nul, il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet. La deuxième chose qui annule le pèlerinage, c'est le fait de délaisser un pilier des piliers du pèlerinage. Celui qui délaisse un pilier parmi les piliers du pèlerinage, eh bien, son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul. Donc, s'il a délaissé et qu'il a la possibilité de le refaire, s'il a oublié et qu'il a la possibilité de le refaire, en ce cas, son pèlerinage est valide. Mais par exemple, celui qui n'a pas fait le wukouf des Arafat et n'est arrivé qu'après Tawaf al-Fajr, qu'après l'apparition de l'aube le dixième jour, ici, son pèlerinage est invalide. Il est invalide car il a délaissé un pilier parmi les piliers du pèlerinage, et ceci, qu'il l'ait délaissé de façon volontaire ou involontaire. Il est délaissé de façon volontaire ou involontaire, son pèlerinage est nul. وإذا بطل الحج بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا على نحو ما بينا في معنى الاستطاعة، وإلا ففي الوقت لن يستطيعه لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة. Et lorsque son pèlerinage est annulé par une de ces deux choses, c'est-à-dire avoir fait des rapports intimes avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle, ou en délaissant un pilier parmi les piliers du pèlerinage,
lui est alors obligatoire de refaire le pèlerinage l'année suivante s'il en a la possibilité. Et la possibilité est définie ou expliquée dans les chapitres précédents. On a donné la définition de la possibilité de la capacité. Et s'il ne peut pas l'année suivante, alors qu'il le fasse au moment où il en aura la possibilité, car l'obligation d'accomplir le pèlerinage sur le champ est valable pour celui qui en a la capacité et la possibilité. طيب محظورات الحرمين. Les choses qui sont interdites de faire dans les deux endroits sacrés. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة فتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى لنبييه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما وإذا قيل الحرمان فهما مكة والمدينة ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهما ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا على المسجد الأقصى ولا على مسجد إبراهيم الخليل وإذ لم يسمى الوحي حرما إلا إذا يسمى الوحي حرما إلا مكة والمدينة وهو تشريع لا مكان للعقل البشري فيه. Donc il a rapporté dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim et autres, selon dans le hadith de Abad ou Ubad ibn Tamim, selon son oncle paternel, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibrahim a rendu sacré la Mecque et a invoqué pour elle, et moi j'ai rendu sacré Médine comme Ibrahim alayhi wa sallam a rendu sacré la Mecque. Donc le caractère sacré de ces deux villes est avéré par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces deux prophètes et envoyés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière et le fait d'Allah soient sur eux deux. Et lorsque l'on dit les deux endroits sacrés, ce sont la Mecque et Médine. Et il est interdit de prononcer ou de caractériser un endroit comme étant sacré, sauf envers ces deux villes. Et il est interdit de dire al-haram, shar'an, en parlant de la mosquée de Jérusalem, ni en parlant de la mosquée de Ibrahim al-Khalil. La mosquée Ibrahim qui elle aussi est située à Jérusalem en Palestine. Il est l'amusemna. Car on ne peut appeler haram que la Mecque et Médine, car la révélation n'a parlé de haram qu'envers la Mecque et Médine, et c'est une législation, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, et des choses qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, il n'y a pas de place pour la réflexion humaine dans ceci. Il n'y a pas de place pour la réflexion humaine dans ce genre de position et d'avis. Entre autres, autrement dit, ce n'est pas les hommes qui décident de quel endroit est sacré, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui désigne une terre comme étant sacrée ou non. وَيُحَظَّ فِي أَرْضِ الْحَرَمَيْنِ أُمُورٍ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا لِمَنْ كَانَ يَحْيَى فِيهِمَا أَوْ أَتَاهُمَا زَائِرًا لحج أو لعمرة أو لغير ذلك وهذه الأمور هي إن تنتهي de faire dans tes deux terres sacrées certaines choses. Il est interdit de les faire pour celui qui y réside ou pour celui qui se trouve dans une de ces deux villes en tant que pèlerin ou en tant que mu'tamir ou pour autre raison. Et ces choses qui sont interdites sont أولاً طيب الحيوان والطير وتنفيره والإعانة عليه
première chose qu'il est interdit à faire dans les terres sacrées que sont la Mecque et Médine, c'est de chasser les animaux ou les oiseaux, les animaux et les oiseaux, ou de leur faire peur à Tenfir. Les savants disent c'est le fait de faire peur et de porter atteinte, de déranger et de faire changer de place les animaux. Wal-i'anatu alayhi, ni d'aider à leur chasse. Donc il est interdit de les tuer, mais il est interdit aussi de leur porter atteinte et de les déranger. Si tu vois un animal, donc on a dit, qui est autorisé à la consommation et qui est sauvage, qui par exemple est sous l'ombre, à l'ombre d'un arbre, tu n'as pas le droit de le déranger, ni de le faire fuir, ni de lui porter atteinte. D'accord ? Si tu n'as pas le droit de faire ça, tu as encore moins le droit de le tuer. De même que tu n'as pas le droit d'aider un sachat. Tu n'as pas le droit d'être une cause directe ou indirecte de la chasse de cet animal. ثانيا قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه. Il est interdit de couper les plantes ni les épines des arbres présents à la Mecque ou à Médine, إلا ما دعت الحاجة إليه والضرورة إليه. Sauf lorsqu'il y a un besoin ou une extrême urgence. Et Inch'Allah, on va voir par la suite que la Mecque et Médine ne sont pas pareilles sur ce point. Que la Mecque et Médine ne sont pas pareilles sur ce point. Pourquoi ? Car Mecca est plus sacrée que Médine. Mecca est plus sacrée que Médine. Médine est sacrée, mais le caractère sacré de la Mecque est plus grand et plus important que celui de Médine. Et on verra, Inch'Allah, je vais vous expliquer ensuite la preuve de cela. La troisième chose qui est interdite, c'est de porter une arme à la Mecque et à Médine. Quatrièmement, il n'était pas tout le loupata, c'est le haram de Mecque et le hujjaj. أما من كان مقيما في مكة التقطها وعرفها والفرق بين الحج بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. Quatrièmement, il est interdit de prendre un objet perdu à la Mecque pour celui qui est pèlerin. Quant à celui qui est résident à la Mecque et qui la prend, il lui est autorisé de la prendre uniquement pour retrouver son propriétaire. والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. Il y a différence entre le pèlerin et le résident est clair et évident. Pourquoi ? Car les objets perdus de la Mecque, tu as le droit de le prendre si tu recherches son propriétaire tout le temps. À la différence d'un objet trouvé en dehors de la Mecque et de Médine. Lorsque tu trouves un objet, tu le prends, tu recherches son propriétaire pendant un an. Au bout d'un an, il est à toi, il t'appartient. Les objets trouvés de la Mecque et de Médine, ce n'est pas le cas. La personne qui les trouve, qui fait partie des résidents de la Mecque, il doit chercher le propriétaire tout le temps. Tout le temps, et cet objet ne sera jamais à lui. Cet objet ne sera jamais à lui, donc il n'aura pas le droit de l'utiliser. Il devra sans cesse rechercher son propriétaire. Et si la personne ne peut pas faire ça, alors qu'elle remette cet objet aux autorités qui, eux, ont des services spécifiquement ça, ou propres à ça. Khuldo, l'auteur dit: والدليل على هذه المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد
إن هذا البلد حرمه الله يوم القيامة يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. حديث متفق عليه. إلى بخاف de ces interdictions, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la victoire de la Mecque, le jour de la victoire de la Mecque, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca victorieux, qui était quelle année de l'Hégire? 8e. La dixième année, c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Hajjat al-Wada'. Quant à Am al-Fath, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque, c'était la 8e année de l'Hijja. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué la Mecque, où il est parti à Mecca pour combattre et pour prendre cette ville, car les mouchriquins ont rompu l'acte de l'Hudaybiyah. Et une fois cet acte rompu, il n'y avait plus de pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythées. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré victorieux à la Mecque, a fait un discours et a dit que cette ville, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Et il est sacré. Cette ville est sacrée jusqu'au jour du jugement. Donc elle a été sacrée le jour où Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre, et elle restera sacrée jusqu'au jour du jugement. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Et il n'est pas autorisé, n'a pas été autorisé de tuer ou de combattre dans cette ville à tous ceux qui m'ont précédé. À tous ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les prophètes et envoyés. Personne, aucun des prophètes et envoyés qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala de combattre ou de tuer dans cette ville. وَلَمْ يَحِلَّنِ إِلَّا سَاعَةً مِنَّهَا. Et il ne m'a été autorisé le combat dans cette ville que une heure dans la journée. Et ici, il faut comprendre une heure, non pas comme 60 minutes, mais un laps de temps. Et les savants ont dit, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce temps était du lever du soleil jusqu'à l'heure de l'Asr. Le prophète sallam avait l'autorisation d'utiliser les armes à Mecca uniquement dans ce laps de temps. Et Mecca était respecté, ceci était respecté à la Mecque, même avant l'arrivée de l'islam. C'était un endroit sacré, et en aucun cas, on avait le droit de tuer ou de faire un combat dans la ville de la Mecque. Au point que même des personnes qui voyaient le meurtrier de leur père ne pouvaient rien faire. Et ne l'attaquaient pas et ne lui portaient pas atteinte par respect pour cette ville qui est Mecca. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a encore appuyé et attesté le caractère sacré de la Mecque, et c'est un endroit sacré qui a été rendu sacré par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement. Autrement dit, ici, le prophète صلى الله عليه وسلم nous montre qu'il ne sera autorisé à personne également après lui. Il ne sera autorisé à personne après lui de combattre ou de tuer à la Mecque. Et dans cela, on voit l'égarement de beaucoup de gens ou de certaines personnes qui portent des armes et combattent
dans la ville sacrée de la Mecque ou de Médine, ceux qui ont été égarés par leur science ou autre qu'Allah soit à les guide, et qu'ils en sont arrivés à avoir des armes et à les utiliser dans les villes saintes de la Mecque et de Médine. Et le plus connu dans celui dans ce fait là, c'est la fusillade de Mecca qui a eu lieu quand? Non. Elle a eu lieu en 1400 de l'Égypte. Elle a eu lieu il y a 27 ans. Elle a eu lieu le 1er de Muharram de l'année 1400. C'est là où il y a eu la prise d'otage par... Non, c'est pas l'Égypte. Par Juhayman. Par Juhayman qui se disait Al-Mahdi. Qui se disait Al-Mahdi et qui a pris... comment dire, qui ont fait une prise d'otage à la Mecque. Ils ont pris une prise d'otage à la Mecque et ont fait rentrer les armes grâce aux civières avec lesquelles on fait rentrer des morts. Et ils ont mis les armes dans ces civières-là et les ont recouverts du drap qui sont recouverts à l'heure actuelle et ont réussi à faire rentrer les armes ainsi et chacun s'est positionné. Et ils étaient un certain nombre et lorsqu'ils ont récupéré les armes, ils ont tout d'abord voulu chercher et ils ont essayé de tuer l'imam, qui était à l'époque Omar Soubey, celui qui était dit il y a pas longtemps, le fils de Abdullah Soubey. Ils ont essayé de le tuer, mais il s'est sauvé, rahimallah, et leur a échappé. Et ensuite, ils ont pris le micro, ils ont fait un discours en expliquant le pourquoi du comment et que l'on devait leur faire le pacte d'allégeance, etc., etc. Et ils sont restés ainsi 15 jours. Et les musulmans ont été privés de la prière à Mecca durant tout ce temps. Et il y a eu plusieurs morts et l'État saoudien a même été contraint à appeler le GIGN français pour mettre un terme à ce prise d'otage. Oui. Voilà. Yu'adadu shawku. Et on ne doit pas couper ses épines. On ne doit pas couper les épines présentes dans les arbres de la Mecque. Voilà. Yu'nafaru saydu. Et on ne doit pas faire peur ni faire fuir ses animaux. Voilà. Yu'ltaqatu luqatatu. إلا من عرفها ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها et on ne doit pas prendre des objets trouvés sauf pour celui qui recherche son propriétaire ولا يقتل خلاه et on ne doit pas couper son herbe donc tu ne dois pas couper les arbres, tu ne dois pas couper les feuilles de ces arbres ainsi que les épines, et tu ne dois pas arracher l'herbe de la Mecque. فقال العباس يا رسول الله et العباس donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit moi envoyé d'Allah sauf al-idkhir qui est le jonc, on a déjà vu ça dans le Janaïs qui est le jonc. فإنه لقينهم وبيوتهم car il est utilisé pour leur tombe et leur maison. Il est utilisé pour leur tombe et pour leur maison. Elle est prête à utiliser pour leur tour dans les tombes. À quel moment? Pourquoi? Non? Non? Donc on est testé là. Elle est prête, on a vu, c'était des feuilles, une sorte d'herbe, que l'on utilise lorsque l'on enterre un mort en Arabie, que l'on met entre les plaques. Entre les plaques qui servent à recouvrir la tombe. D'accord, pour éviter que le sable de la terre n'entre ou ne passe entre ces pierres. Wabuyotinim. Et l'étril était aussi utilisé dans la construction des toits, des maisons. Et il était mis entre les feuilles de palmier et le bois. Non, entre les feuilles de palmier et entre les feuilles de palmier et la terre cuite. Car à l'époque, ils faisaient les toits en mettant d'abord le bois, puis en mettant des feuilles de palmier, puis en mettant
à l'étrir cette sorte d'herbe et en mettant par-dessus la terre cuite. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإدخير. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit sauf à l'Idkhir. Sauf à l'Idkhir qui est autorisé de retirer. Et concernant les arbres, les savants disent que les arbres qui nous sont interdits de couper, ce sont les arbres de la Mecque. Ce sont les arbres de la Mecque. Quant à toi, si tu as une maison que tu as planté un arbre, est-ce que c'est l'arbre de la Mecque ou est-ce que c'est ton arbre? Parce qu'ici, le professeur Hassan a dit voilà, yu'adadu shawkur. Dans une autre version, voilà, tuqta'u shajaru. D'accord, que l'arbre du haram, le Mekki, ne doit pas être coupé. Mais celui que toi tu as planté, c'est ton arbre à toi. Et tu as le droit de le couper et d'enlever tes feuilles. Comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. De même pour les arbres fruitiers, est-ce qu'il est autorisé de prendre les pommes d'un pommier de la Mecque? Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de prendre une date des dattiers de la Mecque, des palmiers de la Mecque? Oui. On dit qu'il est autorisé de prendre les fruits, car ce n'est ni une feuille, ni une épine. D'accord? De même pour les branches, là on se rentrait dans les détails. Si la branche de l'arbre est morte, est-ce que tu as le droit de l'enlever, sachant que c'est une branche qui meurt, etc. Et ils sont entrés dans des détails, car il y a certaines branches qui reprennent vie quand il pleut, etc. Mouhim, à la Koulehal, le mieux c'est de s'abstenir de couper ou d'arracher une branche que l'on voit morte et sans vie. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. Donc la phrase qui est interdite de porter des armes à la Mecque, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه, rapporté par Muslim dans son Sahih, qui dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire il est interdit à quiconque de porter à la Mecque une arme. Et les savants ou bien sûr, c'est une exception pour ceux qui ont besoin d'utiliser une arme, comme les services de police, des autorités qui ont besoin des armes, d'utiliser leur arme, de porter leur arme pour faire dissuasion ou pour l'utiliser en cas de besoin et de force majeure.